unserem nächsten Talk, Energiespeicher von heute für die Energie von morgen mit Sebastian Pischel. Ich mach's kurz, erneuerbare Energien sind der heiße Scheiß. Les énergies renouvelables sont tendance. Donc, Sébastien Küchel va vous expliquer un peu plus là-dessus. Il est venu à son premier congrès il y a 10 ans. Et il voulait collecter plein d'informations sur les piles et les batteries. Et son sujet principal sont les batteries. Donc, merci à Sébastien. Oui, bienvenue à tous, c'est très plein, je m'y attendais pas. Donc, oui, le stockage d'énergie d'aujourd'hui. Sur ma timeline Twitter, j'ai régulièrement des articles sur qu'est-ce qui est mieux, les voitures avec des batteries ou les voitures avec des piles à combustible, ou les deux. Et on voit que beaucoup de gens racontent des choses qui ne sont pas fondées. Les deux technologies ne peuvent pas vraiment être comparées. J'aimerais bien, comme image, vous montrer que si vous prenez un pingouin et vous le mettez dans le désert, il n'est pas très en forme. Si vous prenez un chameau, le chameau est beaucoup plus rapide. Si vous mettez les deux dans la mer, le pingouin est beaucoup plus en forme. Et si on regarde un peu plus en détail, je pensais justement vous présenter un peu, vous raconter un peu là-dessus. Donc, j'ai étudié la chimie. J'ai commencé avec la chimie organique et la biochimie. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la pratique en laboratoire, c'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les technologies des piles à combustible. Et j'ai travaillé avec un institut qui se concentre sur la construction de piles ou de batteries et les monter directement sur des platines. Donc avoir une batterie intégrée à la platine directement et pas soudée à l'extérieur. Donc j'ai fait mon diplôme à Berlin. Donc ici on a la TU Berlin. Et le HZB a deux autres centres qu'on voit ici à Berlin. Et on a deux gros appareils sur les sites. D'abord, on a un réacteur à combustion qui va être décommissionné d'ici quelques années. Et sur l'autre site, on a le BESI-2 dans lequel on fait énormément d'analyses de matériaux et d'énergie solaire, de panneaux solaires et on regarde les propriétés des matériaux qui sont utilisés pour la structure des panneaux solaires. Donc, en premier, pour le stockage de l'énergie, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un matériau et on a besoin de place. L'utilisation, la surface utilisée, ici, est représentée sur l'axe Y. On voit l'énergie en watts par kilo. Et sur l'axe X, on voit l'énergie en watts par kilogramme, l'énergie délivrée. Donc, on voit par exemple les piles, les petits capacitateurs qui sont plutôt petits, et on voit les capacitateurs
conducteurs métal oxyde, ce qu'on appelle les supercaps, qui sont souvent utilisés dans le contexte de mobilité électrique. Donc, on a un stockage d'énergie qui est physique et non chimique. Ce qui m'intéresse principalement, ce sont les batteries, donc les piles et les batteries qu'on voit là-haut, et la partie pile à combustible à hydrogène. Et donc, je voudrais vous montrer un diagramme. Ah, je vois que j'ai oublié la dénomination de l'axe X. Ici, on voit le contenu d'énergie par rapport au volume utilisé par l'appareil de stockage. Donc, l'axe Y, c'est le volume. Ou bien, oui, important. J'ai appris ça dans mes études. Il faut toujours mettre un nom sur les axes, sinon il vous arrive ce qui est en train de m'arriver. L'axe des Y, c'est le volume. On voit ici le méthane, l'hydrogène. Donc pour un grand volume, il y a peu d'énergie. Plus les Y montent, on voit par exemple le LPG, ou par exemple l'hydrogène liquide ou l'hydrogène sous pression. Il y a aussi les carburants habituels, le diesel, l'essence, l'éthanol et le méthanol, l'aluminium qui peut aussi être brûlé potentiellement. Qui a déjà tenu un extincteur avec marqué ABC? Bon, presque tout le monde. Qui en a tenu un avec classe D? Ouais, une petite quinzaine. Les classes D sont particulièrement appropriées pour éteindre des feux de métaux parce que il y a énormément d'énergie à l'intérieur. On voit ici. Alors attendez, je vais essayer de m'en sortir avec la souris. Non, malheureusement pas. En bas à gauche, on voit les accus similaires aux batteries de voiture. Ils sont très lourds. Ensuite, il y a les batteries au nickel, c'est ce qu'il y a dans les télécommandes, ou par exemple le badge bien connu qui clignote du CCC. Je vais parler un petit peu des batteries au lithium parce que celles-ci sont très répandues. Qui d'entre vous a déjà tenu un appareil avec une batterie au lithium? Ouais. 2, 3, 5, 20. Bon, effectivement, il y en a de moins en moins, mais tous, évidemment. Cette technologie est très répandue. Qu'est-ce que ça veut dire des ions au lithium? Le lithium est un métal alcalin. C'est le troisième élément. Trois électrons. Quand on retire un électron d'un atome, on parle d'un ion. C'est un ion positif. Ici, cet atome est présent dans les batteries. Voici les trois messieurs qui ont reçu le prix Nobel de chimie cette année. Monsieur John B. Goodenough. On se demande si ses parents ont à dessein ajouté ce B à son nom. Ensuite, M. Stanley Whittingham,
Das Nobelpreiskomitee hat ganz schöne öffentlich verfügbare Dokumentationen bereitgestellt, an denen zum Beispiel ich jetzt mal grob erklären möchte, was da innen drin passiert. Je vais, il y a le troisième, Monsieur Akira, et maintenant je voudrais bien expliquer ce qui est présent dans les documents du prix Nobel qui ont été introduits pour l'obtention de ce prix. Voici la batterie de Whittingham qui a eu de la chimie à l'école. Chimie avancée ? Ah, il y en a beaucoup moins. Hein. Qui a déjà lancé un morceau de sodium dans l'eau? Ah voilà, il y en a beaucoup plus. Ça brûle et ça explose. De nombreux métaux alcalins sont très réactifs dans l'eau. Et c'est un des problèmes lorsqu'on met un de ces métaux alcalins dans un bloc très dense. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les ouvrir parce que l'humidité présente dans l'air suffit à provoquer une réaction explosive. Revenons à notre batterie. Dans un anode, il y a le lithium qui auquel on retire l'électron. Quand elle se charge, l'électron va à l'autre côté. Et dans cette batterie, il y a du titane. Tout le monde connaît le dioxyde de titane. C'est un pigment très répandu. Ici, il y a un analogon de sodium. Là, on parle bien d'une petite batterie de 1,5 volts. Le problème, c'est que cette batterie se détériore avec le temps. La deuxième itération, c'est celle avec un oxyde de cobalt. Cette batterie ne se détériore pas après deux ou trois chargements. Du côté anode, il n'y a plus du lithium, mais l'innovation principale, ou plutôt l'innovation suivante, la batterie de Yoshino, il s'est dit, prenons du graphite. Graphite a une wabenstruktur, so kanikeldraht sozusagen, qui a une structure bien particulière, en couches. Parallel übereinander aufgeschichtet sind und dazwischen ist Platz. Et entre les différentes couches, il y a de la place. Et là, on met un ion de lithium. C'est presque le plus petit atome du tableau périodique, et il prend donc très peu de place. On met donc du coke. C'est pas le coke que vous sniffez, mais celui qu'on brûle. Et donc on a ce bloc de métal très réactif. Et ça, s'est développé en les batteries qui sont présentes dans tous nos gadgets électroniques. La question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces matériaux? L'oxyde de cobalt est au centre de l'attention parce que il vient des mines de coltan en Centrafrique. Le coltan est un alliage de tantanite et cobalite. Et ceux-ci sont présents principalement en Centrafrique. Le tantalite, comme le dit son nom, vient du tantal. Et ensemble, ceux-ci créent du cobalt. Et à n'importe quelle stelle.
On trouve ces matériaux souvent au même endroit et ensemble. Donc, ensuite, on a le lithium qui vient principalement d'Amérique du Sud et de Chine. Donc, le problème de l'anode en graphite, c'est que pour pouvoir avoir une cellule solide, c'est qu'il faut du graphite de très bonne qualité et le principal fabricant est chinois. Donc, si on commence à faire une guerre commerciale avec la Chine, ils peuvent nous empêcher de nous procurer ce graphite et du coup, on ne pourra plus produire de piles. On peut écouter un peu plus là-dessus sur Méthodiquement Incorrect en podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Et potentiellement, on a plusieurs podcasts avec beaucoup d'informations sur ce sujet. Je trouve celui-ci très intéressant et on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Ensuite, ce qui est encore fait partie d'une batterie, c'est l'électrolyte, c'est le liquide entre les électrodes. Donc, les ions lithium doivent être conservés encore à l'intérieur de la pile. Donc, on ne peut pas juste laisser les électrons passer d'un côté à l'autre. Pour ça, il nous faut des électrolytes. Et ces carbonates spécifiques ont les propriétés qui leur permettent d'être très ultra polarisants. Et qui ne sont pas acides chimiquement. On a des composés chimiques qui, des atomes d'hydrogène qui peuvent poser problème parce que si vous prenez un métal alcalin avec de l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut poser des problèmes d'explosion, par exemple. Donc, on a les carbonates qui sont faciles à mettre en place et qui sont faciles à stocker. Et c'est pour ça que sur les piles, on a souvent, sur les notices d'utilisation, un mode d'emploi qui nous dit de ne pas ouvrir et de ne pas découper pour éviter au liquide de sortir. Dans le pire des cas, ça peut chauffer énormément et on peut avoir une flamme de couleur. Par exemple, ici, qui d'entre vous a déjà découpé une pile comme ça pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur? Ah, pas tant que ça, peut-être une vingtaine. Moi, j'ai déjà énormément démonté de piles et de batteries de téléphones ou d'ordinateurs. Donc, on a une platine à l'intérieur qui permet de gérer la tension et la répartition énergétique sur la batterie. Parce que si on a trop d'énergie distribuée au niveau de la pile, on a des métaux, des structures métalliques longues, qu'on appelle ici des whiskers, qui risquent de se produire entre les deux éléments de la batterie, et ça peut créer une explosion de pile comme ce qu'on a entendu avec ces appareils, par exemple. Quelqu'un d'entre vous a déjà eu un de ces Samsung Galaxy Note 7? Ah, je vois une main levée. Donc, c'est ce qui s'est produit avec cet appareil il y a un an et demi à deux ans. Il y a eu énormément d'informations sur le fait que ces appareils commençaient à brûler. Des fois dans la poche des utilisateurs. Oui. Plutôt bête. Ce que j'ai la conclusion que j'ai pu en tirer en regardant la batterie de ces appareils, c'est on voit en haut à gauche, on voit les couches d'électrons et on voit que dans le dimensionnement de la pile, de la batterie,
Le séparateur a été construit de manière un peu trop petite. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans la poche ou avec en chauffant, un de ces séparateurs se pliait et en chargeant l'appareil à chauffer. Ensuite, le court-circuit s'est produit et on voit le résultat sur l'image de droite. Donc, pas terrible. Et ça, c'est le problème de sécuriser les appareils de stockage d'énergie. La lumière joue un rôle. C'est pour ça que les batteries à lithium-ion sont aussi répandues. Parce qu'elles sont... elle délivre plus de puissance. Ce qui est en train d'être étudié encore, c'est d'autres matériaux pour les électrodes, pour essayer de supprimer la dépendance au cobalt. Le dioxyde de cobalt fonctionne très bien. Il y a des annonces comme celle de Tesla, qui fait beaucoup de recherches. Le nickel est un matériau qui ressemble beaucoup au cobalt, qui est juste à côté dans le tableau périodique des éléments, et on peut utiliser le nickel pour réduire l'utilisation de cobalt. Le nickel a aussi des problèmes. Certains le savent, le nickel peut produire des allergies en cas de contact. Donc, c'est pas super non plus, mais il faut vraiment savoir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes et quels sont les problèmes de manière consciente. Le dioxyde de cobalt peut être remplacé par du silicium. On peut, comme sur les composants microélectroniques, utiliser du silicium pour créer les électrodes des batteries. Et c'est une structure dans laquelle les ions de lithium peuvent bien se ranger. Le problème, c'est que ça fonctionne 2-3 fois, mais vu que le silicium prend le lithium comme un métal étranger, on a une modification de la structure physique et on a le métal qui s'étend et qui crée des fissures et qui s'effrite, et du coup la pile ne fonctionne plus assez rapidement. Donc on a une recherche qui se fait pour essayer de contrôler l'expansion du silicium pour l'utiliser dans les batteries modernes. Donc on a des recherches et il faut vraiment essayer de réduire notre dépendance au cobalt. Pareil pour les électrolytes, les ions métalliques. Il y a une drôle d'anecdote, M. Goudenhoff, dans les années 80, pendant le début de son étude, a utilisé le sodium comme métal qui prend le rôle de ce va-et-vient d'électrons. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a par exemple des batteries de sulfite de sodium, mais qui ont besoin d'énormément de chaleur pour fonctionner. C'est pratique, par exemple, pour les camions, ou des grosses machines qui chauffent, mais pour un usage quotidien, par exemple une voiture, ça n'a aucune utilité. Mais il existe quelque chose d'assez similaire. Et le sodium existe, est assez répandu. Il y en a dans les océans, il y en a vraiment partout. Et du coup, c'est assez avantageux parce qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher dans des pays où le régime politique est assez pose question. L'hydrogène n'est pas non plus très approprié parce qu'il a un comportement assez spécial.
Camping zum Beispiel, diese Gasbrenner, die man mit so einem Kartuschen oder diesen großen qui connaît ces cartouches de camping gas. Ouais. À peu près 90%. Qui a déjà ouvert le bec et a débranché le tuyau sans faire exprès et qui a déjà approché un briquet? Alors, effectivement, si on se débrouille mal et qu'il y a le gaz qui sort beaucoup, qui sort de manière rapide, eh bien ça devient très froid. C'est parce que le gaz est très comprimé. Lorsque un gaz sous pression sort de manière assez rapide, eh bien il se refroidit, il devient très froid. Et malheureusement, c'est ce qui arrive lorsqu'on a un gros réservoir d'hydrogène. In der Raumfahrt, wo Raketen mit Wasserstoff betrieben werden, das ist zum Beispiel was, worauf man sehr gut auch aufpassen muss. C'est un des points, c'est une des faiblesses, notamment dans l'exploration spatiale, puisque les réservoirs des fusées marchent à l'hydrogène et il faut faire très attention à éviter les fuites. Da sieht man vor allen Dingen, wenn man die Temperaturachse sich oben anguckt. Lorsque vous regardez wir sind bei minus 260 Grad, da ist nicht mehr viel Platz. L'axe absoluten Nullpunkt. Des X tout en haut, il y a moins 240. Der ist Wasserstoff ist nicht flüssig zu kriegen oberhalb der Temperatur, die le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'hydrogène liquide au-dessus de cette température. Si on le chauffe, steht er immer noch unter Druck und ist immer noch il est toujours sous pression, il est toujours très comprimé. Aber dann ist er nicht mehr unbedingt flüssig. Mais il n'est plus liquide. Und wenn man das Ganze dann zu höheren Temperaturen geht und dann et im Bereich 2 si on augmente et qu'on arrive dans la zone annotée 2, eh bien on voit à quelle pression on voit la température en fonction de la pression. Druckgasflasche, wo man Schweißgas oder sowas herkriegt, so üblicherweise im Handel, sind meistens 200 maximal 300 bar. Alors en général, dans les camping gaz, le gaz est comprimé à environ 200 bar. La zone 3 est la zone critique. Cela veut dire que c'est la zone au-dessus de laquelle le rapport entre liquide et gazeux n'est pas plus très n'est plus définissable. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait liquide, ce n'est pas non plus gazeux, c'est quelque chose entre les deux, mais pour cela il faut des températures vraiment très basses. C'est notamment un des arguments qui joue contre les réservoirs à hydrogène, c'est qu'il faut refroidir le gaz tellement, il faut tellement le refroidir, et ça demande une quantité d'énergie folle. Et donc s'il y a un défaut dans le réservoir, ça peut provoquer des problèmes énormes. Et c'est très dangereux. Ça veut aussi dire qu'il faut se poser la question où peut-on utiliser l'hydrogène. Ma réponse est la suivante. Là où on sait qu'on a besoin de beaucoup d'énergie en très peu de temps, diesel voll zu tanken, aber mit Wasserstoff, das dauert 10-20 Minuten und danach muss ich dann. Le problème, c'est que si j'ai une voiture à l'hydrogène, eh bien je vais devoir aller à une station où on peut remplir ma voiture en hydrogène et ça va durer 20 minutes, alors que si je vais à une pompe à essence, ça m'en prend que 5. Donc à grande échelle, vu que le parc automobile est très grand, à grande échelle, eh bien c'est absolument inutilisable. Éventuellement, on peut s'en servir pour les bateaux, les avions, les bus, parce qu'ils sont ravitaillés à des endroits bien définis et ceux-ci ne sont pas très nombreux. Ce sont aussi des endroits où on peut avoir une main-d'œuvre spécialisée qui travaille en tout respect des normes de sécurité. À grande échelle, je ne suis pas vraiment sûr que ça soit possible. C'est trop cher, il faut trop d'énergie.
C'est dangereux. Donc, il faut regarder la possibilité et la pertinence de l'utilisation de l'hydrogène. Et là, je pense qu'elles ne sont pas réunies. La batterie, une batterie, c'est plus facile à transporter qu'un gros réservoir d'hydrogène, et c'est aussi à prendre en compte. De plus, la masse d'une batterie au lithium reste la même. À l'école, on avait cette blague, est-ce qu'une batterie pleine est plus lourde qu'une batterie légère? Et en fait, c'était comme si on se demandait s'il y avait autant d'électrodes ou pas dans une batterie pleine ou légère. C'était une blague qui fonctionne beaucoup mieux en allemand. Ensuite, la nature. Comment est-ce qu'elle stocke son énergie? À gauche, vous avez un schéma assez minimaliste sur le fonctionnement de la photosynthèse. La lumière entre, le dioxyde de carbone est fixé, puis il en sort de l'hydrogène. Cela permet à la plante d'absorber du sucre. Voilà ce que donne la même chose, un schéma sur la photosynthèse, un schéma de la photosynthèse un peu plus compliqué. On voit très bien sur ce schéma pourquoi les feuilles sont vertes. Eh bien, plus il y a de chlorophylle, plus les rayons lumineux sont absorbés. Et après une longue cascade de réactions biomoléculaires compliquées, la plante absorbe l'énergie des rayons solaires. C'est quelque chose qu'on peut copier et qu'on peut construire aussi. On peut essayer d'isoler les différentes molécules et regarder comment elles réagissent. Quelles protéines sont présentes? Parfois, il y a aussi des petits atomes métalliques. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et qu'est-ce qui peut, pour nous, être plus facile à copier? Le pic. Sur ce graphique, le pic veut dire que plus d'énergie, plus de l'énergie de cette lumière-là est absorbée. C'est pour ça que les plantes sont vertes, parce que la lumière verte n'est pas absorbée. Est-ce qu'on peut prendre ça comme modèle et faire, par exemple, une sorte de feuille artificielle? C'est le terme général de cette direction, de cette recherche. On envoie de la lumière du soleil et, à l'image de la plante, l'eau est divisée, et donc en oxygène et en hydrogène. Après différentes réactions, on peut isoler laquelle de ces feuilles artificielles stocke le mieux l'énergie. C'est un petit peu comme si on stockait l'énergie dans de l'essence, puisque l'essence est de l'énergie potentielle. Sauf que là, c'est sous la forme d'une plante. Ici, on aurait une sorte de petite centrale énergétique neutre en carbone. Idéalement, c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire seul chez soi. Diesel, Benzin, würde man dann eben in herkömmlichen Verbrennungskraftmaschinen verwenden. Ce carburant pourrait être utilisé pour alimenter différents appareils, différentes machines en énergie.
in den Kraftstoff eingebaut hat, wird es beim Verbrennen wieder frei und man kommt auf plus minus null. Et de nouveau, l'avantage, c'est que c'est neutre en carbone. Le problème, c'est que le CO2 est toujours présent dans l'air. Et de là viennent s'insérer d'autres difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Une autre version, c'est ce qu'on a fait jusque-là et qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'on prend la lumière du soleil, on a les panneaux solaires en silicium qui fonctionnent plutôt bien, on a maintenant augmenté la fonctionnalité de plus de 20%, on a une électrolyse. Donc on a deux électrodes dans l'eau, on fait la même chose que la feuille artificielle, donc on divise le CO2 et l'oxygène et l'hydrogène. Et le process derrière, c'est comme pour la pile à combustible. On a le chemin de court-circuit qui est pris plutôt que de prendre, de faire le détour électrique classique. Donc, on voit, c'est sur ce sujet-là que je travaille aussi. On voit ici les couleurs arc-en-ciel, on a la lumière. Le matériau jaune absorbe une partie, laisse passer la lumière jaune et rouge qui se reflète sur une deuxième plaque de silicium qui peut produire de l'électricité. Les deux se retrouvent et la production d'énergie produite par les deux est assez élevée pour produire une électricité importante. Et si on arrive à produire ça de manière industrielle, on va pouvoir résoudre notre problème énergétique de manière beaucoup plus simple, ou en tout cas y contribuer. C'est encore un sujet, il va falloir calculer quelle superficie on a besoin, quelle quantité on a besoin de ce genre de panneaux. Il faudrait par jour plusieurs centaines de mètres carrés de panneaux solaires jusqu'en 2050, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir arriver à une neutralité climatique jusque-là, ce qui est complètement illusoire. Il faut d'abord pouvoir produire les panneaux solaires. Ensuite, il faut monter les modules, il faut les mettre sur des toits, etc. C'est une vision. Ça a l'air bien, mais le problème, c'est toujours la mise en pratique. En théorie, oui, mais pas en pratique. Ensuite, j'ai encore un article de presse ici, c'était cet été. C'est d'essayer de récupérer la lumière solaire directement comme, je crois qu'ils appellent ça kérosène, donc pour essayer de créer du kérosène, une énergie fossile, mais pas de manière chimique, mais en utilisant la concentration solaire. Donc, qui est au centre de ce miroir, on a un réacteur à haute température qui monte à 1500 degrés et avec des catalyseurs spécifiques à cette température, on a une réaction qui prend le CO2 dans l'air avec l'humidité qui permet de créer une énergie fossile qui, du coup, est neutre en CO2 puisque le matériau, le CO2 qu'on utilise, on l'a récupéré dans l'air directement. Le problème ici, c'est que on peut uniquement produire de manière très petite, donc 10 millilitres
de kérosène par jour sont produits, par un jour ensoleillé, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et c'est quand même un gros appareil, une grosse machine. Ça fait quand même 6-7 mètres de diamètre. Ça a l'air assez lourd, donc très dur à construire en grande quantité. Donc j'aimerais encore exposer cet argument. Qui doit payer ? C'est souvent la question. C'est plus une question que chacun peut prendre avec lui et méditer. Qu'est-ce qui se passe avec toute l'énergie qu'on produit dans l'économie ? On a 300 ppm de CO2 dans l'air en moyenne. Pardon ? Ah, 400, on me dit. Ok, bien. On est beaucoup plus que les 100 quelque chose. Le public se prononce. Arrondi ou... On est passé de 200 à 400 ppm depuis les 150 dernières années de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ces 200 ppm de différence étaient dans la Terre sous différentes formes, du pétrole ou du charbon, et du coup ça se traduit par un bilan énergétique. Donc ça se traduit par de l'argent, et les générations avant nous en ont bien profité en faisant l'extraction des ressources fossiles et la rejetant dans l'air. Et on a payé déjà beaucoup pour ça. Bon, on ne peut pas vraiment se permettre de tout remettre sous la terre. C'est des quantités d'argent énormes. J'ai pas encore pris le temps de calculer ça, mais je peux m'imaginer que ça va durer des décennies de PIB, de grosses nations énergétiques, pour pouvoir le financer. Et clairement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain. On a déjà... Le problème, c'est qu'on peut pas demander aux responsables de payer parce que l'argent a déjà été dépensé. Ce sont des questions plutôt politiques et sociétales qui doivent être discutées entre les gens qui ont plus de connaissances sur le sujet. Et j'aimerais mettre ces propos dans le contexte de qui en a profité le plus. Donc, vraiment, trouver les responsables et disperser les responsabilités. Voilà, j'aimerais fermer là-dessus. La chimie, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas quelque chose qui explose et qui pue. On peut faire des choses intéressantes, même pour les gens qui sont intéressés par l'informatique. On a par exemple la chimie quantique pour la création de supercomputers, superordinateurs. On crée de l'énergie atomique pour alimenter des nouveaux calculateurs. Aujourd'hui, on arrive en plusieurs heures à calculer des calculs complexes qui prenaient plusieurs semaines auparavant. Et on a encore du progrès à faire. On a après toute la partie industrielle, automobile, où on veut... eux veulent aujourd'hui réaliser leurs chiffres et aujourd'hui être
Et j'aimerais maintenant terminer avec quelques ressources, commencer par mon podcast préféré, Méthodiquement Incorrect. Ensuite, j'ai Forschergeist, que j'aime beaucoup. Microéconome, j'ai écouté quelques épisodes de ce podcast que j'aime beaucoup, avec la partie économique et sur l'énergie. Plusieurs épisodes intéressants sur le cycle de l'électricité et pourquoi ils sont comme ils sont. La session que j'ai eue, que j'ai donnée au camp cette année sur créer de l'hydrogène à partir de la lumière du soleil. Et sur ce congrès, il y a deux sessions que je trouve très intéressantes personnellement sur le recyclage. C'est important parce qu'on ne peut pas se permettre de jeter dans la terre, d'enterrer les piles qui ne sont plus utilisables. Et sur la scène Chaos West, vous avez une session sur ce qui se passe si vous abîmez une batterie au lithium. Je suis intéressé de voir ce qui va se passer dans cette session-là. Et si quelqu'un a quelque chose, donnez-moi des conseils, venez me voir et tenez-moi informé. Mes infos contact arrivent et je peux vous parler de HZB et des podcasts. Je ne les ai pas tous écoutés, j'en suis loin, mais très intéressant. Et c'est Holger Klein qui les produit. Tatsächlich mein Arbeitsgruppenleiter interviewt hat damals, als er gerade erst ein Jahr hier am Institut war. Rolf van der Krol ist Et Rolf van der Krol, c'est lui qui m'a impliqué dans ce domaine de recherche, qui est maintenant parti à la retraite, et c'est son remplaçant avec qui je travaille et qui s'occupe de mes recherches. Et ça m'a permis de vraiment, c'est grâce à ces gens-là que j'ai réussi à avoir des résultats et à m'intéresser à ce sujet et à collecter des informations que je peux distribuer. Votre feedback, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que c'est trop technique, est-ce que c'est trop chimique, est-ce que vous voulez plus de détails, est-ce que vous voulez moins de détails? Donc, vous avez mon numéro de DECT. Appelez-moi. Si je réponds, c'est bien. Sinon, réessayez. J'ai une adresse mail. C'est spécialement pour ce talk. Je regarde pendant le congrès et même après. Donc, n'hésitez pas. Le stream sera disponible en ligne également. Et sera disponible pour les 500 prochaines années. Et maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Merci pour cette présentation. On a environ 10 minutes pour des questions-réponses. Ceux qui partent maintenant, veuillez, s'il vous plaît, utiliser la porte à ma gauche. Ne prenez en tout cas pas la porte que vous avez empruntée pour entrer dans cette salle. Nos chers anges vont vous montrer par où passer. Si vous avez des questions, veuillez la poser au microphone. Je crois que derrière, microphone numéro 6. Vas-y, lance-toi. Bonjour, merci pour cette conférence. Puisque c'est un problème de stocker l'hydrogène, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le réseau existant pour le gaz naturel? Oui, on peut. Je ne sais pas combien de pourcentage d'hydrogène il y a dans le méthane, mais dans tous les cas, le méthane, la distribution de méthane est assez particulière puisqu'elle est effectuée grâce à des
tuyau en métal, puisque l'hydrogène est très petit, il peut s'échapper par ces pipelines en métal. De plus, il réagit avec la plupart des métaux, ça crée des hydrides. Et il faut prendre de nombreuses précautions pour distribuer de l'hydrogène dans des pipelines en métal. Un des risques est que ces pipelines peuvent notamment exploser si des précautions ne sont pas prises. Il y a une question qui vient de l'Internet. Qu'en est-il du degré de stockage des différentes techniques de stockage? Par exemple, si on refroidit les batteries, qu'en est-il? Alors, je ne peux pas répondre à froid, c'est le cas de le dire, à cette question. J'ai déjà regardé quelques diagrammes, quelques schémas. Il me semble que quand on liquéfie de l'hydrogène, il faut passer par plusieurs étapes. Ça dépend où et à quelle température et dans quelles conditions on procède. Donc je dois dire que je ne peux pas répondre à cette question. Micro numéro 2. Merci pour cette conférence intéressante. J'ai encore une question sur l'hydrogène. Il y a 35 ans, j'étais étudiant et là, ce qui était super tendance, c'était de mettre de l'hydrogène dans un réservoir, de le refroidir à moins 400 degrés. Est-ce qu'on étudie encore? Est-ce qu'il y a encore des recherches dans ce sens-là? Dans tous les cas, oui. C'est pas vraiment mon domaine. L'hydrogène se lie avec la plupart des hydrides métalliques, notamment le palladium, le platine, qui sont très chers. Et alors là, si on fait un réservoir dans un de ces métaux, on peut le remplir d'hydrogène. Si on le remplissait d'hydrogène, on ne pourrait pas en mettre autant que si on mettait cet hydride. Donc on peut comprimer beaucoup plus de l'hydride métallique dans le réservoir que de l'hydrogène pur. Malheureusement, c'est très cher. Alors, on est en train de faire des recherches sur des métaux moins chers. Et là, on pourrait éventuellement aussi avoir un système de consigne. On utilise le réservoir métallique. On utilise l'hydrogène donc, et puis après on remet le réservoir pour le faire remplir, et puis on pourrait avoir une sorte de cycle, comme on a par exemple pour les bouteilles de Club Maté. Mais d'un autre côté, ça coûte très cher. Il faut utiliser quelque chose qui soit disponible. Microphone numéro 3. Bonjour. Dans la première moitié de l'année 2019, il y a eu beaucoup de bruit sur Internet. Il me semble que c'était l'histoire d'une batterie au lithium avec c'était une batterie au sodium qui contenait des dizaines de fois plus d'énergie qu'une batterie au lithium. Est-ce qu'il y a des recherches qui vont encore dans ce sens-là? Je ne sais pas. Je sais que le silicium est utilisé comme matériaux pour les batteries dans la recherche, ou en tout cas des recherches vont en ce sens, mais je t'avoue que je ne peux pas répondre à ta question. L'Internet, qu'en est-il d'accu à l'oxygène? Est-ce qu'il y a de l'avenir? C'est aussi une combinaison de matériaux que je ne connais pas,
Il y a des batteries à usage unique qui utilisent de l'oxygène, mais est-ce qu'il y en a des rechargeables? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus combien de temps ça dure. De nouveau, mettre un gaz dans un réservoir, c'est toujours un peu plus difficile que d'avoir quelque chose de solide ou de liquide. Bon, j'espère que vous n'allez pas faire la totalité du tableau périodique. Encore une question du micro 5. Merci. J'ai deux questions très courtes. D'une part, pourquoi l'hydrogène chauffe quand il s'expand? Et ensuite, quelle est la différence entre la photo et l'électrolyse et la photo et l'électrosynthèse? Alors, pourquoi est-ce que ça chauffe? Pourquoi est-ce que l'hydrogène chauffe? Eh bien, c'est comme ça. C'est une de ses propriétés. En mécanique quantique, on s'intéresse à la question de l'interaction entre les différents atomes. Là, on peut faire des modèles sur la raison. C'est quelque chose qui est spécial à l'hydrogène et pas la plupart des gaz. La plupart des autres gaz sont composés de plusieurs atomes. Et donc, on détaille différentes, etc. Et c'est un peu différent. Par conséquent, elles se comportent de manière complètement différente. L'autre question était sur les degrés. Sur l'efficacité. Alors, l'électrolyse, environ 80%. Et la conversion directe de la lumière en hydrogène, je crois qu'on est à 5 ou 6% d'efficacité. Et là, on parle vraiment du maximum. Donc, il y a encore une grosse différence. Malheureusement, nous avons déjà trop débordé. J'imagine que vous aviez encore de nombreuses questions. En tout cas, ça veut dire que tu as fait une conférence très intéressante. Vous pouvez encore discuter avec notre orateur. Applaudissements pour cette conférence très intéressante.